Dans un cours solaire, la lumière se réfléchit sur les oreilles. Tout au long de la journée, il faut tourner le four solaire pour suivre la trajectoire du soleil. Du coup, on commence par faire la première face de la caisse. On va reporter les mesures sur une deuxième plaque et de nouveau découper. Donc là, on découpe plein de petits bouts de baguette pour faire tout le tour de notre cadre en laissant le soin qu'il y ait une plaque qui puisse se caler par ici. On fait la même caisse en bois mais à l'intérieur qu'on va cette fois-ci couvrir de papier alu. Donc la lumière pénètre, elle tape sur les parois et elle finit par arriver sur le plat. Avec les chutes des découpes des plaques, on va faire des bords. Donc, on va passer à la porte du four. L'idée ça va être de faire un cadre tout autour de cette vitre. Du coup, là, on positionne la charnière qui nous permettra d'ouvrir la porte du four comme ça. Donc là, pour fixer les charnières des oreilles du four solaire, on a une plaque très fine et pour rendre du coup l'accroche de la vis plus solide.